Allez, salut à vous. Une petite vidéo rapide pour vous expliquer comment trouver l'arme la plus forte du jeu, l'arme la plus cheatée du jeu. C'est ici, vous allez sur la map, vous retrouvez ici exactement, à cet endroit-là. Donc là, vous voyez la map de Night City, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous vous retrouvez ici. Donc essayez de trouver un point de repère, c'est un embranchement sous une route. À ce niveau-là. Donc hop, je reviens en arrière, vous regardez bien l'endroit où c'est. C'est cette quête-là, si vous ne l'avez pas, il faut continuer le mode histoire jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Voilà, je recule, je recule, je recule, je recule. Voilà, j'espère que vous avez vu. C'est ici que ça se passe, allons-y. Alors, une fois que vous arrivez à cet endroit-là, vous passez la grille ici, donc vous avez quelques déchets. Hop, vous arrivez ici et vous voyez un corps. Ce corps ici... Vous pouvez pas le scanner. Si, vous pouvez le scanner. Alors, ça dit quoi, hein? Ok, et l'arme est ici. Le Skippy. Allez, c'est parti, je vous laisse découvrir cette arme. Elle est monstrueuse. Donc, on a 172 points de dégâts. Mais il y a une petite quête qui va faire en sorte que elle va être beaucoup plus... Mauvaise empreinte détectée. De quoi? Augmentation du volume de 33%. Nouvelles empreintes détectées. Qu'est-ce que... T'es quoi, bordel? Demande utilisateur, spécification, arme intelligente HJKE-11 avec IA intégrée, modèle expérimental. Non, Skippy. Alors, c'était ton proprio. De la benne. C'est ton proprio? Vérification de la mémoire. Espace disponible, 100%. Fichier supprimé manuellement. Cause probable, vol. Propriétaire d'origine, aucune donnée. Solution proposée, aucune. J'en ai une, moi. Je te récupère. Traitement de la demande. Aucune objection trouvée. Alors, t'es complètement opérationnel? Lancement d'un diagnostic système. Le test prendra environ 47 secondes. Bam bam bidam bam bam bidam. Qu'est-ce que tu fais là? Je rends l'attente plus agréable avec une mélodie apaisante. Bam bam bidam bam bam bidam bam. Test terminé. Le programme Skippy version 0.01 alpha s'exécute normalement. Alors, qu'est-ce que tu sais faire? Alors, qu'est-ce que tu sais faire, à part me casser les oreilles? Fonctionnalité première, ciblage automatisé. En cas de menace critique contre l'utilisateur, capacité de tir autonome. Veuillez choisir l'un des deux modes d'exploitation. Premier mode, pacifiste ami des animaux. Je viserai les membres inférieurs de l'ennemi. Second mode, tueur sans pitié. Je viserai exclusivement la tête. Donc voilà, si je choisis pacifiste, les balles iront automatiquement dans les jambes. Si je choisis l'option tueur sans pitié, la balle sera autodirigée directement à la tête, ce qui va la rendre vraiment une arme de killer. C'est l'arme la plus cheatée du jeu. On est parti, tueur sans pitié. Ça me convient bien. Réglage en cours. Bam bam bidam bam bam bidam bam. Oh. Mode sélectionné, tueur sans pitié. Bon massacre. Bon massacre, regardez-moi ça. On va aller voir où il y a des amphoros. Regardez-moi ça. On va faire une sauvegarde avant, histoire que... Ok, partie sauvegardée, c'est bon. On est parti. Regardez-moi ça. Ça tire à la tête, automatiquement. Provocation, ils sont où les ennemis? Ils sont là. Voilà, que des tirs à la tête. 1000 de dégâts, c'est un monstre cette arme. Voilà, que des tirs à la tête, c'est incroyable. Parfait, on va se casser d'ici. Bon, vous avez compris le principe. Putain, je me suis fait écraser. Voilà, l'arme la plus cheatée du jeu, elle est ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez au like, pensez à vous abonner. A plus dans le bus et à bientôt dans le métro.